C'est le 3 février 1999. Allô, bonjour. Allô, monsieur Durato, c'est monsieur Chepin, le concierge. On parle de vous, on veut passer à One TV, aux informations. Aux informations sur One TV? Je vais regarder ça là tout de suite. Merci bien. Rappelez-vous, il y a un an, l'affaire Durato. Aujourd'hui, au tribunal de Bonneville, se termine le procès. Sur place, notre envoyé spécial, Miss Taylor. Ah, je crois qu'il y a un petit problème. Oui, c'est bon. Ça y est, Taylor. Ah, Miss Taylor, à vous. Ici Miss Taylor, en direct du palais de justice de Bonneville, pour l'affaire Durato. Avec nous, le grand professeur, Monsieur Rosnoblet, spécialiste du crime presque parfait. Monsieur Rosnoblet. L'affaire Durato y touche à sa fin. En effet. C'est vrai, voilà comment s'est passée cette histoire. Écoutez-moi bien. Tout d'abord, faisons connaissance avec les personnages de cette histoire. Monsieur Rosnoblet? Oui, Miss Taylor, tu es là. D'accord. Gaston Durato, fermier rochon et autoritaire. Il exploite une petite ferme dans la vallée. Gertrude Durato, la femme de Gaston, elle rêve de belles robes et de grands voyages. Henri Durato, non. Mettez-moi une photo plus récente. Voilà, c'est mieux. Henri est le frère jumeau de Gaston et le beau-frère de Gertrude. Employé des impôts, il est intraitable en affaires, il est rochon et solitaire. Nicolas Durosier, jardinier en chef du château. Il a rencontré Gertrude Durato au bal de la fête de la grenouille. Depuis une profonde amitié, les lits, ils se voient en cachette. Les jardiniers du château. Si Sébastien est efficace et réconciliant. Alain n'aime pas le travail et quelquefois il s'énerve. Raoul Laflèche, le facteur, il sillonne les routes avec rapidité, toujours pressé pour que les lettres arrivent à temps. Doc Marcel, médecin d'Égypte, il est muet mais il n'a pas son pareil pour faire les autopsies. Gus Etoff, le détective privé discret, énigmatique, mais efficace. Dans leur enquête, leurs déductions sont imparables. Gus est spécialiste de la savate, art de combat secret. Jeff et Max, les loups-bars, ils traînent sur les routes, vont de ville en ville. À la recherche d'argent facile. Le passant ne fait que passer. Igor, sa voiture, le vendeur automobile. Avec lui, pas besoin de discuter. Un bon client, une poignée de main, le tour est joué. Marcel Chepa, concierge et logeur de M. Henri Durato. Le juge Toc. La justice est lui. Ça ne fait qu'un. Claire Chazol, présentatrice vedette du journal sur One TV. Phileas Rosnoblet, avec nous aujourd'hui, Monsieur Rosnoblet, est le spécialiste du crime presque parfait.
Ses explications sont claires et rationnelles. Miss Taylor, c'est moi, votre journaliste préféré, vedette du direct sur One TV. Tout a commencé à la ferme des Dorato, le jeudi 05 avril 1998. Petite goutte. Et n'oublie pas le lait. C'est bon, merci. Tiens, voilà que le mois prochain, c'est la foire aux bestiaux à La Roche. J'en profiterai pour acheter une nouvelle citerne à Purin. Tu ne penses pas à moi. J'ai vu une jolie robe. Tu crois qu'on a assez d'argent pour ces choses-là? Faut investir dans la ferme. Pas dans les futilités. Moi, je vais m'occuper des bêtes. Je vais en marcher. Le même jour, non loin de là, sur nos routes de campagne. Vivement la prochaine ville, il nous faut du fric. Ouais. Allez, on y va. Une semaine plus tard, jeudi 12 avril à 10h30. Où tu vas? Je vais au marché. Je vais pouvoir compter mon pognon. Oh, je n'ai pas de sous. Mais il est où, Gaston? Mais il fait quoi? Oh, mon bel or, que je suis content de te tenir et de te compter. Voilà. La dépouille. 15 jours plus tard, le jeudi 26 avril à 10h45. Bon, Alain, tu vas t'occuper de couper les branches. Et toi, Sébastien, tu t'occupes d'enlever les mauvaises herbes. Oh, je bénis ma marque. Oh là là, c'est gros, beaucoup gros. Merci. Oh là là, la croûte. Ça va pas tous les deux? Allez, au travail. Il faut que je me prépare pour le rendez-vous.
Sébastien, Alain, terminez le travail, moi j'ai un rendez-vous. Ah, juste à l'heure. Bonjour mon poussin. Tu es un chou. Fleur, un chou-fleur. Il fait un peu froid ici. Si nous allions boire un café. Mais oui. Bon, j'ai trouvé. Que veux-tu boire? Du thé, Nicolas. Garçon, un thé et un chocolat. Le thé, s'il vous plaît. Et c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Ça va nous réchauffer. T'as des pognons. Qui ça? Nadia. Je sais où est l'agent. On va s'en occuper. T'as entendu? Non. Ils ont parlé d'argent, voilà les pigeons. Oui. Max, on va suivre la femme. Oui. Allez, on les suit. Oui. Un mois plus tard. Tiens, Gertrude, c'est pour Gaston. Tu mettras ça dans la soupe. 2 gouttes suffisent. Ça fait 1 mois qu'on surveille la ferme. Les Durato sont absents. Ils sont à la foire de la Roche. Ouais. Aujourd'hui, Max, on passe à l'attaque. Regardons le plan. On va partir du point A. Ouais. On va rapidement au point B. Midi, déjà. On va sur le point C. On passera par la fenêtre. Il y a du monde. Oui. Ah, j'ai faim. Gaston, tu dis la faim? J'ai les crocs. Qu'est-ce qu'on mange? De la soupe. Il y a du poisson dans la soupe. Y'a qu'un mensonge dans ta soupe. Mais oui, Gaston. Je vais regarder le journal de Clarchozol. Ah, je me sens tout bizarre. Ça y est. Gaston, t'es mort? Heureusement que nous avions les masques. Allô? Nicolas? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Gaston, il est mort. Tout s'est passé comme prévu. Appelle le SAMU. Après la mort de Gaston Durato, l'enquête est vite bâclée. On conclut à un arrêt cardiaque. Quelques jours après le 30 mai.
Après être renseignés, les bandits Jeff et Max ont découvert que Gaston Durato avait un frère jumeau. Ils décident de faire une lettre anonyme pour récupérer le magot. Nous avons bien fait de mener notre enquête. Le seul moyen de récupérer l'argent est de faire chanter M. Durato en rire. Passe-moi un R. Non, c'est pas un N, c'est un R. Je veux un R. Pas question de se faire doubler. Ouais. Le 31 mai. Je me dirai tout, c'est fatal. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Votre frère n'est pas mort. Accidentellement, il a été assassiné. Nous connaissons les coupables en échange d'une somme de 200 000 francs. Vous connaîtrez la vérité. Rendez-vous mardi à 10h à la déchetterie Jeff et Max. Une lettre anonyme? Je ne vais pas marcher dans la combine. Je vais leur coller des détectives aux fesses à ces deux idiots-là. On n'a pas idée de signer une lettre anonyme. Détective Gusetov. Le même jour, en fin d'après-midi. Le 2 juin, grâce à Henri Durato, l'enquête est relancée. Une autopsie est faite. Le 3 juin, dans l'après-midi. Gus et... Et Teuf. Détective privé. Alors, Doc Marcel,
Quels sont les résultats de l'autopsie? Ah, voici les résultats. C'était un gros mangeur. Et voilà l'arme du crime. Tiens, 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 du poison. Les empreintes sont encore dessus. Nous tenons le coupable. Bravo, Doc Marcel. Les enquêteurs Gus et Toff tenaient leur coupable. Il ne leur restait plus qu'à tendre un piège aux bandits Seth et Max. Il est à la bourre. Oui, ouais, ouais, non. C'est pour mettre des poignons. Ni non. Pas des oignons, mais des poignons. S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas vu un monsieur avec une barbichette et puis un chapeau? Non, j'ai pas vu. C'est les bandits Jeff et Max. Ah oui. On passe à l'attaque. Ah ouais. Je vais refaire le coup de la savate. Ah aïe, 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 aïe. Voilà les renforts. Ah ah, Gus se prépare à faire le fameux coup de la savate. Attention, je crois que c'est parti. Les bandits Seth et Max sont arrêtés. Gertrude Durato et Nicolas Derosier également. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Silence, on se fait évacuer la salle. Madame Durato, Monsieur Desrosiers, levez-vous. Trente ans de prison. J'ai mis Max debout. 10 ans de prison. C'est donc une affaire qui se termine bien. Ici, Miss Taylor, à vous les studios. Ah, quelle sacrée affaire! Cela fait un an que ça te fait dur. J'ai bien fait de faire appel à Gus et Toff. Enfin, je n'ai pas tout perdu dans cette affaire-là. Grâce à toi, frérot, je vais pouvoir mener la grande vie. Je me doutais bien que mon frère cachait de l'argent. J'en ai rêvé de cet or. Et sans rien faire, le voici, le voilà dans ma poche. Le lendemain... Direction le soleil. C'est lui l'héritier, il peut en profiter. Bon, la prochaine ville, il nous faut du fric. La route, la route. Là. Là. Oh là là. Ah, arrête un moment. Abderrah. J'y vais. Chou-fleur. Comme ça? Ah non, c'est pas ça. Ils ont pris de l'argent. Ils ont parlé d'argent. Je ne veux pas marcher dans leur combine. Et teuf. On dit déjà. Alors. Ah oui, c'est vrai. J'ai un petit problème à vous.
Miss Taylor, à vous. Séquence 12. Tu les vois les pieds? Oui. Chut. C'est sûr, vraiment, j'ai l'impression qu'elle est haute. Mais va. Pose ton pied, c'est pas, pose ton pied. Et quand il regarde, dit, passe-moi à... Tout le monde a une lettre. Ah oui, c'est mieux. Moufid, action. Ok, allez, remettez-vous. Je te fais signe de la main. Mouf, silence. Moufid, action. Pas en prison. Et non, hein. Quand il a dit, il a tapé. Ah, plus haut le bois? Non. Ton ouais, ton ouais. Très bien. Non. Restez à vos places. Hein? Celui l'héritier. Moi, tu vas trop chaud.